Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à Air Factor 2, je vais vous présenter un mode BTCC 2020 fait par l'équipe de modeurs NGTC. C'est un mode, enfin une équipe de modeurs qui travaille sur le mode BTCC depuis très longtemps, depuis 2017. Et donc, moi, je suis un peu passé à côté de ce mode que je découvre un peu par hasard. Et la version 2020 qui est passée en version 1.0 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va aller dans le jeu, je vais vous montrer les voitures qui composent ce mode. Et après, on fera une petite course avec sur le circuit, évidemment anglais, d'Alton Park. Bon, comme vous le voyez, hein, on voit pas les voitures, mais on va aller dans le showroom pour les voir. Donc j'ai, ouais, non, depuis 2017, j'ai dit depuis 2015, carrément, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, donc il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a 6 modes, hein, là-dedans. Donc nous, on va s'intéresser au 2020. Alors j'ai d'abord une Ford Focus, on va aller la regarder, voilà, bon, c'est une Ford Focus, hein. Très bien modélisé, c'est propre. Hein. Ah ouais, c'est du beau travail. Hein. C'est du beau travail. Ensuite, j'ai une Mercedes A45 AMG ou pas AMG, je sais pas. Ouais, voilà. Donc c'est des deux corps, hein, c'est des voitures des 5 portes, mais. Oui, ce sont des 5 portes, oui, c'est ça. Je cherche le nom en anglais. Il ne me revient pas, il va me revenir quand j'aurai fini la vidéo. Bon, très belle modélisation. Fastback, c'est ça, Fastback. Non, très belle modélisation, rien à dire. C'est beau, c'est propre. Nickel. Et j'ai ensuite la Vauxhall Astra, qui s'appelle comme ça en Angleterre. Mais en fait, c'est une Opel Astra. Rien d'autre. Voilà, elles se ressemblent quand même, hein, ces voitures. Hein. Alors, il y a quelques années, il y avait des trois corps aussi. Il y avait des BM à une époque. Non, la modélisation est sans reproche. Il y avait des BM à une époque. Là, en 2020, il n'y en a plus. On va les regarder un peu. 2019, un Subaru. Qu'est-ce que c'est que ça? Subaru Levorg. À quoi ça ressemble? Ah ouais, d'accord, c'est un break. Ah, carrément, ouais. MG, non. 2018. Subaru. Non, il n'y a toujours pas de... Ah, c'est en quelle année qu'il y avait là? Bon, mais je sais pas. Visiblement, là, il n'y a pas de BMW. Donc, nous, on a ces trois voitures. La Ford Focus, la Mercedes A45, la Vauxhall Astra. Et moi, je vais prendre la Ford Focus pour faire donc une petite course de 20 minutes sur le circuit d'Alton Park avec 23 autres voitures. Allez, en avant pour 20 minutes donc de course sur ce circuit d'Alton Park à bord de cette Ford Focus BTCC 2020. Alors, 24 voitures sur la grille, 12e, comme d'habitude, au milieu. Il y a 100%. Hop, hop, oh, ça glisse un peu. Attention, les pneus froids au départ. Oh, ça se bouscule, là. Oui, oui, il y a des mollo quand même. Oui, ça frotte un peu les portières, mais c'est normal. C'est la discipline qui veut ça. Allez, je monte en temps là. Ah, ça n'a pas marché. Mais je suis à l'intérieur. Je réaccélère plutôt que lui. Elle marche plutôt pas mal cette Focus. Elle marche plutôt bien. Oui, il est là, à ma gauche, il est là, il est là. Elle a bien le comportement de l'attraction. Sous-vireur quand tu accélères. Sur-vireur quand tu lèves le pied en virage. Voilà, ça survire un peu, comme j'ai dit. Hop. Ah non, mais elle marche bien. Hein. Il m'a un peu freiné sous le nez, donc j'ai rien pu faire là.
Allez, on a fait un premier tour. Hop, oh là. Oh, il y a eu de l'ambiance là. C'est sûr qu'à 3 de front, c'était osé. D'essayer de passer à 3 de front là. Ouais, j'aurais pas dû. Ah, attention qu'il ne revienne pas sur la piste comme un cochon, lui. Ah, j'ai mis le peu de temps, par contre. 1% partout, ça va. Ouais, j'essaie de passer à un endroit où on peut pas passer, en fait. Allez, là, je lui fais l'intérieur, là, au freinage. Ah, il se met à l'intérieur. C'est bon, je suis passé. Allez, combien je suis? 6e. Allez, je me suis remonté 6 places déjà. Oui, quand tu accélères, ça va tout droit. Hein. Comportement typique de l'attraction avant. Non, non, très bien rendu, très bien. Très bien fait, très bon mode. Bon boulot de la part des gars de NGTC. Oui, si je mets la 5e, c'est mieux. Hop, la glisse, la glisse. Ouh, j'ai cru que je la rattrapais pas là. Hein. Ah, c'est beau celui à Houlton Park. Hein. The lap was a 1:48.80. J'ai tourné où, une 48? Oh là, j'ai tourné en une 45 quand j'ai essayé la voiture. Mais allez, je passerai pas là. Oui, on se touche un peu. On se frotte un peu. Allez, au suivant. Ah, c'est très plaisant à piloter. Ces voitures qui donnent envie d'attaquer, moi j'aime ça. Moi j'adore ça. J'adore ces voitures qui te donnent envie de taper dedans. Ah, je lui tente lui là. Ouais. Je l'ai un peu bloc passé, je l'ai un peu. Ah, allez, j'ai un peu la piste libre là. Allez, on va en profiter pour faire des conneries. Hein. La température des pneus, ça va. C'est en virage hein, qui chauffe, c'est normal. Allez, hop, le freinage. Oui, la dérive. Rattraperie, gaz. En mettant gaz en grand. J'ai remise droite de suite. La voiture a glissé, j'ai accéléré. Hop, c'est remise droite. Parfait ça, très très bien. Oh, la glisse encore. Oh ouais, à chaque fois je suis juste là. Trop juste, trop. Heureusement qu'ils sont pas trop, ils sont loin derrière. Enfin, ils sont un peu loin. Je suis bien loupé là. Ah, je me suis bien loupé là. Eh, je cherche les limites. Allez, il faut le rattraper. Je suis quoi, 4e? J'ai 3 voitures devant. Oui, la glisse pour l'inscrire dans la courbe. Génial. Excellent. Ouais, c'est une très bonne auto. Hein. J'aime bien les deux autres, hein, la Vauxhall et la Mercedes. Mais j'ai une petite préférence pour celle-là. Petite préférence pour cette Focus. Un peu bloquer les roues. Oui, là aussi, petite glisse pour placer l'auto, c'est bien. Tu peux t'en servir de cette glisse pour placer la voiture en entrée de courbe, c'est bien.
Alors voilà, on va essayer de. Voilà, de moins de misser. Ah, le chrono est d'accord. Hein. Du coup, ah ben ouais. Hein. Ah oui, il est bien d'accord. Hein. Ah, il est d'accord de presque une seconde là. Allez, je reviens, je reviens. Je reviens sur les gars devant. Ah, 45, c'est déjà un peu plus conforme à ce que je faisais quand j'ai essayé la voiture. Et voilà. Je l'ai un peu poussé à gauche dans l'herbe. Je reconnais. Ah, c'est très plaisant à piloter. J'adore, j'adore, franchement. Franchement, très très bien. Ouais, mais même avec l'IA à 100%, ils sont pas très saignants, hein, je trouve. Pas très difficile. Hein. Le bloc, je sais pas s'il en met tombé, mais il était prêt. Ouh, un peu chaud là, ça passera pas à deux de front. Je force un peu le passage. Allez, deuxième. Ouais, deuxième en 5 tours alors que je partais 12e avec IA à 100%. C'est vrai qu'ils sont pas très saignants. Hein. J'aurais dû mettre plus fort. Hop là, la glisse, ouais, ouais, bien, j'aime bien. Oh là, oh là, je fais quoi? Oh là, je fais des conneries là. Ouh, je bloque les roues un peu trop facilement là depuis quelques virages. Les pneus sont chauds, hein, il faut dire. Ils sont bien chauds. Hein. Ah, je fais des bêtises. Du coup, ils vont repasser. On doit être à peu près. Ah non, même pas à mi-course. À 20 minutes. Ouais, c'est ça. À minute, on devrait faire une quinzaine de tours. Ouais. 14-15 tours, je pense. Oh, une 50, quel tour moisi. Voilà, reste concentré, c'est mieux. C'est-à-dire que l'usure, un peu, dès qu'il manque un peu 15% sur les pneus, là, tu le sens de suite. Surtout sur une traction, quoi. Ou les pneus... sont chargés, les pneus avant sont chargés non seulement de la direction mais aussi de la motricité de la voiture, de la faire avancer. Ouh, j'arrive un peu trop fort là à chaque fois. Hein. Ouh.
Mais il est bien ce mode. Il est bien. Et du coup, j'arrive plus à les rattraper. Je les avais doublés. Je suis retombé quatrième. La médaille en chocolat. C'est là où je vais plus vite que d'habitude. Voilà. Je sors plus fort. Je peux leur faire le freinage au bout. Ah, je suis un peu loin, là. Ah, je suis trop loin. Mais non, mais non. Ah oui, je suis trop loin, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. That was a 148.42. Allez, il faut que je sorte plus fort que lui de là pour lui tenter le freinage au bout. Je me frotte un peu à l'intérieur, c'est bon, c'est passé. Allez, j'ai plus la médaille au chocolat pour l'instant. Après, je peux encore faire des conneries, hein. J'en ai fait quelques-unes quand même, hein, pendant cette course. Ouais, c'est là où je freine trop tard. Du coup, je vais tout droit. Ouais, les pneus, ils aussi. Enfin, les températures des pneus avant, surtout montent et descendent. Monte à plus de 120 degrés en virage. Puis après, elle remonte. Elle redescend plutôt. Voilà, en ligne droite, elle redescend bien. Allez, je le rattrape. C'est chaud, c'est chaud. Ah, j'ai bloqué, je bloque les roues, je bloque les roues. C'est pour ça que je perds du temps. Je bloque les roues, je vais tout droit. Et puis l'usure des pneus, il aime pas ça, hein, visiblement. Oh là là, je l'ai vu que je freinais trop tard. Eh ouais, je regarde la température des pneus. Au lieu de regarder devant moi. Voilà, pas freiner trop tard. Voilà. Ouais, c'était 5 ou 6 tours, je pense. Tourne en 1:45, 20 minutes. Ouais, ça devrait faire ça. Une quinzaine de tours, je pense. Voilà, 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 c'était propre. Et essayez surtout de ne pas bloquer les roues là au bout. Voilà, ah, c'est mieux. Même si je raccélère trop tôt. Oh là là! That was a 148.51. Le premier, c'est sûr que je l'aurais pas, hein. Mais lui, il est pas sûr, hein.
le premier n'est pas si loin non plus. Hein. Allez, je vais la voir. Allez, il est à moi là, il est à moi. Oh oui, freine. Ah, c'est pas gentil ça. Ah, c'est pas gentil de freiner là, monsieur. Ah, il m'a freiné sous le nez. The lap was 146.88. Tiens, voilà. Ça t'apprendra à me freiner juste sous le nez. Alors, le signe de la main, vous avez vu, c'est parce que je dis à ma femme, je suis occupé. Je suis en train de faire une vidéo, là, tout à l'heure. On rentre dans la pièce. C'est pas pour dire non j'abandonne ou j'ai crevé ou j'ai calé ou je sais pas quoi, non non. Allez, il me reste combien? 4-5 tours, ouais, maximum hein. Ah, ça va être dur de rattraper le premier hein. Surtout si je fais des conneries comme ça, voilà. Ah, ne bloque pas les roues là, ne bloque pas, ne bloque pas. Aïe aïe aïe. Il y a que l'usure des pneus, il fait pas hein, non plus. Hein. Le premier tour, je passais beaucoup plus vite là. Ouais, elle est plus dure à faire entrer dans le virage. Hein. Et puis l'autre derrière, il est pas loin. Hein. Il est pas si loin que ça. Hein. Ouais, je braque plus qu'avant là. Hein. Ouais, je freine plutôt aussi à hein, les pneus. Et ouais, ouais, ils commencent vraiment à flancher. Hein. Ouais, j'ai perdu 30% là. Presque 40. Ouais, je réaccélère plus aussitôt qu'avant là. Et là, pareil, je freine plus aussi tard. Ah, et à chaque fois, je me loupe le point de corde. Ouais, je suis encore là, j'ai 5 dixièmes là, dans ce virage là. Allez, c'est fini. Ah, je pensais qu'on ferait plus de tours que ça.
Bon, mais c'est pas mal. La deuxième. Bon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de conneries. Hein. J'ai fait énormément de conneries, j'ai fait. Il faut bien le dire. Il faut bien dire que là-dessus, j'en ai fait quand même pas mal. Allez, on va la garer là. En attendant. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Ben, c'est un excellent mode, hein. Franchement, je me suis régalé. Hein. La voiture est facile à piloter. On sent bien le comportement de la traction avant, le sous-virage quand on accélère, le survirage quand on lève le pied en virage. On peut en jouer d'accord, mais il ne faut pas abuser, hein, comme vous avez vu. Non, c'est un excellent mode, hein, avec les voitures qui donnent envie d'attaquer et tout. Donc non, c'est très bien, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a, comme je vous l'ai montré il y a plusieurs années, moi je me suis concentré sur le 2020. Non, mais c'est du très bon boulot, il n'y a rien à dire. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel Fanatec à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !